bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tandem Tale of Shadows. On continue notre aventure dans l'horloge. Et bah écoute Squash, pour l'instant ça va, donc on va se tenter. Oh, but it's much worse. An army of soldiers! Oh no, my lantern! How am I going to get through this dark mansion now? Let's run away, Fenton! On a plus de lanterne. T'es sérieuse, quoi. C'est pas le GG, ça. Ok, donc je peux bouger ça. Phantom, t'es où? T'es là. Alors, est-ce qu'ils continuent leur chemin? Ouais, en fait, ils s'en fichent de moi, j'ai pas besoin de me cacher particulièrement. Pourquoi tu peux pas avancer? Si, tu peux avancer. Je pense, oui, bien sûr, Chobit, ils s'y fichent sur leur chemin, ça se passe mal, mais il n'y a pas de. Pas que je me cache dans l'ombre pour qu'ils me voient pas, ils font juste leur chemin. Leur chemin de base, quoi. Est-ce que ça me tue, ça? Ça ne me tue pas, ça. C'est bon à savoir. Ça, par contre, je pense que ça me tue, ça. Oui. On est d'accord. Alors. Ah. Là, par contre, je pense que les rayons, c'est peut-être pas la même. Ok. Ah, il y a des moitiés de trucs qui me tuent pas. Et des moitiés de trucs qui me tuent. Très bien. Donc ici, il me voit dans la zone. Si je réactive ça, ça active pas celui-là, on est d'accord. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es juste une lampe? Ok. Alors est-ce qu'il va falloir que je trace? Ça fait quoi déjà si je fais ça? Ah, c'est juste que ça ferme la porte. Ah bah ça va, s'il y a que ça, on va pouvoir s'en tirer. Hop. 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 D'accord. Parce que du coup dans le noir il ne me voit pas. D'accord, c'est ça se cacher dans l'ombre. Ok. Bien, bien, bien. C'est cool les nouveaux gameplays à chaque nouvelle session, c'est sympa quand même. Ils sont plutôt bien pensés, je trouve, en plus. On va essayer d'aller le plus loin possible, tant qu'on peut. Hop là. Alors, là, on se cache. Ah! D'accord, ok, là c'est un peu moins... Funky entre guillemets. Ça active les grosses saloperies là. D'accord. Parfait. Du coup on va plutôt pas le faire hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut quand même que j'aille activer un truc. Ah oui là il y a un levier. Est-ce que ça fait bouger celui-là? Oui ça fait bouger celui-là. Parfait. N'allons pas trop vite, d'ailleurs je vais pas faire ça parce qu'en fait je suis coincé là-bas. On va d'abord activer la porte. Voilà. Hop. Hop. Ah merde. Échec. Je pensais pas que je pouvais sauter assez loin. Bah en fait je peux sauter pas vraiment assez loin en fait. Voilà, c'est bon. Ça
ça passe. En rond et en rond. Voyons ça. D'accord. C'est pour toi, Fenton. Ah. Non, c'est pas moi qui ai fait un truc. Ok, c'était juste pour la déco, visiblement. Ils m'ont l'air rapides quand même, hein. On va continuer d'avancer, voir si on voit, on débloque pas un truc. Ok, ça ce sera pour plus tard, donc visiblement il va falloir qu'on se démerde tout seul ici. Toute seule en l'occurrence. Oh ouais, ça passe large. Hyper large. Tu fais quoi toi? Ah putain oui, ok, t'actives ce sympathique petit truc qui est là. Un petit rideau, on prend la clé, on ouvre la porte. Et là, il va nous falloir Fenton. Ok, ça passe. De nouveau, il y a une porte en haut, mais ils font pas le tour cette fois, ils sont un petit peu plus subtils on dirait. Ah ok, c'est juste pour se planquer. Je me disais, il y a peut-être un secret, mais non. Oh, j'avais pas vu au milieu, il y a un truc. Allez, sagouin. J'aime cette roue qui tourne à toute vitesse. Alors, ici, il peut pas me voir. Par contre, il va falloir que Fenton, tu grimpes. Pour activer ça, d'accord. Et ça, ça fait quoi? Ah, ça désactive ce truc là. Ok. Donc déjà dans un premier temps, on fait ça. Mais là, je peux rien faire. Mais je pense que si je fais ça... Ouais, voilà, ça le réactive direct. Ah, c'est fermé là. Quel enfer. Alors, comment je peux faire? Ok. D'accord. Merde. Ok, donc il faut que j'aille là. Là, ça l'active. Il se barre tout là-bas. Je peux choper la clé et repartir de justesse. Et rouvrir là. C'était juste. Ok, là il y a des rayons et en plus des trucs qui tournent. Nickel. Ah, il y a un levier aussi. Qu'est-ce qu'il fait le levier? Oh putain. Bon, visiblement il y a l'air d'avoir un truc qui arrive de l'autre côté, donc je vais essayer de passer en premier avec Fenton, je pense. Ouf. Ça glisse. Est-ce que je peux le désactiver à la volée? On dirait que je peux faire ça. C'est quand même un petit peu tendu. Oui, je peux le désactiver au bon moment. Alors, genre maintenant. Peut-être un petit peu juste. Non, ça passe. Alors là par contre je suis coincé. Ah zut, ça n'avance à rien en fait. Il faut quand même que je passe avec elle. Quelque chose me dit que si j'active ce rayon, ça va pas être fun. Je vois pas ce que ça fait. Ah, du coup... Ils font demi-tour. Parfait. C'est nickel.
Et puis en plus Femton revient là. Merde. Faut que je fasse ça. À quoi ça sert? Ah, ça bloque le, ça bloque son, sa ligne de vue aussi ça. D'accord. Visiblement. Donc il faut que je le bloque d'abord pour Femton, parce qu'une fois que je serai de l'autre côté, je l'aurai dans l'os. Par contre il y a un délai aussi quand il s'active à se préparer. Et après il faudra que je l'active exactement dans l'autre sens en fait. Hop là. Voilà. Alors on me dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc secret? Bon, il n'y a absolument rien du tout. Donc là il faut que je le mette exactement dans l'autre sens, comme je, ça je pourrais me mettre dans l'angle mort. Voilà, ça passe. Ah il me remarque que je pouvais le faire tourner d'ici aussi. En fait, c'était pas forcément obligé de le faire dans ce sens là. Hop, hop, et hop. Voilà. Alors, traverser. Tom. Ok, on commence par un... Plus vite, Femton. Saute, Femton. Oui, alors... Ah, il y avait un bouton là, j'avais pas vu, pardon. Hop là, on peut passer du coup. Tac. Là, on peut ouvrir la porte. Oh putain. C'est marrant, il y a des instruments de musique qui volent. Alors j'imagine que ça active toutes les saloperies qui sont partout. Oui. Complètement. Du coup, toi, tu peux faire ça, et après ça, et après rien d'autre. Ah, on dirait qu'il y a une combinaison quand même. Est-ce que là, il y a quand même une lumière qui reste active là? Là, il me voit pas ici. Ah si, il me voit. Il devrait pas me voir normalement. Ouais, je suis désolé, il y avait... Là, quand je descends, il y a de l'ombre, hein. Pas à quel moment elle disparaît, mais ouais, ça doit être un bug parce que techniquement elle est là, on est d'accord, elle est pas censée être là. Là, je peux pas passer du coup. Donc là, on en profite pour se faufiler peut-être ici. On peut pas. Ok, on en profite pas pour se faufiler. On va prendre le premier. Le premier me sert à rien, le premier. Ah, je peux passer ici, un petit chemin. Parfait. On va passer par là, voilà. Donc du coup, c'est ouvert pour tout le monde. Toi, tu peux grimper, grimper... Grimper, 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 grimper encore, grimper encore, grimper presque, non, ah bah non. Tendu. Ils vont dans des sens merdiques. Ah, c'est chaud celui-là à choper. Allez, grimpe, 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 grimpe encore. Grimpe, ok, t'es sauvé. Pour l'instant. Je vais pas le désactiver ce truc là, hein. C'est pas un levier. Est-ce que ce sont des danseuses fantômes que je vois? Il semblerait bien. Bon bah Femton,
Lol hein. Ça va, là on peut attendre. Hop, hop, hop. Pff, presque. Nous ne sommes pas morts, c'est déjà bon signe. On avance petit à petit. Alors là il y a une porte potentielle en haut, mais c'est pas tout de suite. Oula. Alors visiblement si je fais bouger lui... Ah non, c'est pas celui-là. Donc si je fais bouger, si j'active celui-là, c'est la merde. Et si j'active celui-là, ça désactive le bouton. Ok. Très bien. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Ah. Non. Échec. Il y avait peut-être un passage secret. Ah, où ça? Pas de passage secret. Dans les danseuses fantômes là. Attends, on va retourner voir. J'ai pas vu de chemin. En plus ça reste éteint. Ah, c'est éteint une fois que c'est éteint. Où est-ce que t'aurais vu un passage secret a priori? Là, non. Ah oui, tu as passé les engrenages en montant. Alors attends, je vais voir. Un passage secret pour Emma, hein, on est d'accord, hein, y a que elle de toute façon qui peut prendre des passages secrets. Bon, après, on en a trouvé zéro des passages secrets, honnêtement, il y en a plein normalement. J'ai pas l'impression, on dirait que c'est des murs. Hein. On ne voit plus de toute façon. Non, on dirait que... Alors soit ça s'est refermé parce que maintenant il fait noir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Ça c'était les petits recoins où me cacher pendant qu'on faisait le truc. Donc non, je crains que si on avait un, on l'a raté malheureusement. Désolé. Femton ne peut pas découvrir de passage secret? Bah je crois pas, non. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, j'en ai pas trouvé qu'il pouvait découvrir. Ah, raté. J'étais un petit peu lent là. En fait, le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à le coincer. Ouais. Ici, voilà, là il est doublement coincé là. Voilà. Du coup je peux appuyer là dessus mais ça sert à rien, on est d'accord. Donc je peux faire un trou là. Comment il a fait pour faire le tour lui là? J'ai cru qu'il allait me tomber dessus ce con. Donc là on peut sauter, sauter et sauter et sauter, et on est d'accord qu'il n'y a pas de passage secret dans le coin. Il y a un truc à regarder là. Sympathique. Les instruments de musique dans l'horloge, pourquoi pas. Ah c'est pareil hein, ça donne envie de croire qu'il y aurait un truc derrière, mais comment y aller, je ne sais pas. Ah, peut-être que Femton il peut faire des secrets, bien vu. Nice. Ah bah du coup on en a peut-être raté un, mais c'était éteint donc je pense que je peux pas y retourner. On peut vite fait aller voir hein. En speed, mais à mon avis c'est mort. Merde. Ah ouais, faut que je retourne le débloquer. Ah mais je peux pas le débloquer, bah non c'est mort, je peux pas faire demi-tour. Je peux pas le débloquer parce que je pourrais jamais l'attirer en dehors de sa zone là. Donc non, je peux pas faire demi-tour malheureusement. Donc s'il y avait secret, et ben il restera secret.
Après je sais pas combien il peut y en avoir par niveau, on en a trouvé deux, c'est déjà pas mal. Un pardon. Traverser 2. Ok. Bah je ferai attention maintenant que je percutais que Femton était capable de trouver des trucs. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fermes cette porte. Très bien. Et si je vais ici, tu me vois pas. Si je vais ici, du moins que je te fasse de l'ombre ou un truc du style. Ouais, les animaux empaillés ils bougent, c'est pas très très sympathique, ouais, je suis d'accord. Allez, Femton, rattrape. Ah merde! Ah oui, c'est un problème. Pouvoir passer là, ouais, c'est bon. Alors, à quoi ça ressemble ici? Il y a des trucs qui tournent. Là-bas, il y a un bouton. Il y a des notes de musique qui volent en l'air. Je vais où après là? Nulle part. Il faut qu'on débloque avant. Très bien. Donc là, ils font un petit échange. Allez, Femton, faut tracer là parce que je suis pas très très serein. Ouais, non, on est d'accord. Si je me mets pile poil au milieu, est-ce que ça passe? Lui, il me découpe pas. Et lui, il me découpe. Ah, ok, c'est bon, on peut se mettre comme ça. Ça devrait être un petit peu plus serein du coup. Et là, est-ce que derrière il y aurait un secret? J'ai l'impression qu'il y a une porte là. Quelle chose monstrueuse que de priver son enfant de son innocence. Bah. Ok, l'image ne m'a pas choqué sur le moment, mais visiblement. Est-ce qu'il y a une galerie? Carte. Ah merde, c'était pas ça. Il y a peut-être une galerie sur le menu. Bon, bah on recommence du coup, excusez-moi. Shobiti est désolé, c'est elle qui a demandé s'il y avait moyen. Du coup elle s'excuse aussi. Ça devrait pas être très long, on était pas très loin et on avait un peu pressé le truc. Oh no, ça sonne. Vite, Femton, cours. Ah, bordel. Le piège. Voilà, on est reparti. Donc, on a dit. Merde. On se fait découper en beauté. On se met juste ici. Alors je pense, je sais pas si on a besoin de retourner chercher le secret. On va aller voir vite fait, mais saute, Femton, saute, saute. Ne te laisse pas faire. Ok, ça comptait pas. Mais par contre, on n'a pas l'image. En même temps, j'ai eu le succès, hein, donc on ira voir peut-être à la fin de la session s'il y a un truc dans le menu pour voir ça. Alors, à quoi ça ressemble? On peut le faire monter là. Là, on pourra le faire descendre. Ok, donc jusqu'ici, rien qui me choque. Ah, la pente est un petit peu trop forte, c'est ça? Ouais, la pente est un petit peu trop forte. Je suis pas sûr de pouvoir en faire une moins forte en fait. Si, ça passe. Grimpe, mon ami Femton, grimpe tout en haut. Allez, Femton. Non, tu veux pas? Ok. Maintenant qu'on est là,
peut faire ça. Alors, sachant que de toute façon, il va falloir que je trouve un moyen de passer. Ah, il y a des petits trucs, ouais, mais le problème c'est que je pourrais pas le faire rechanger de toute façon. Une fois qu'il sera mis. Essayons. Alors, d'abord, on va faire descendre Femton parce qu'une fois qu'on sera plus là, de toute façon, on aura dans l'os. Donc, c'est parti. Hop là, voilà. Femton, tu es passé. Ensuite, on va mettre dans l'ombre les cachettes. On se faufile. Ok. Hop. Ah! Dommage. Femton, qu'est-ce que tu fous? Ok. On peut monter par là-haut, tirer le petit levier. Et il y a un truc à regarder là, qui clignote. Non ? Si. Avec encore des danseuses fantomatiques. C'est bizarre quand même cette maison. Et il y a un truc, c'est marrant, il y a un truc qui brille en dessous là. Alors je vois pas trop ce que je peux y faire. Bon allez Femton. Il est temps de sauter. Merde, qu'est-ce que tu fais Femton? Ah! Tu te fais découper si tu fais des choses comme ça Femton, faut pas faire des choses comme ça. Ce n'est pas bien. Non, ça c'est étendu ça. Hop, et hop, voilà. Ça passe. Large. Les trois mousquetaires. D'accord. Pourquoi pas. Il faut rien. Hein. Il faut rien. Bon, on devra pouvoir l'amener ici assez facilement. Encore que c'est peut-être un peu loin là. Ouais, c'est trop loin. Donc non, il faut prendre ce truc là. Ah mais d'accord, ils sont, ils tournent dans les sens inversés. Parfait. Ok, Femton est sauvé de ce côté-là. Maintenant, où est-ce qu'on veut qu'il aille? En bas? Ouais, en bas, visiblement. Je vais pas le pousser, ça, par contre. Zut. Ok. Très bien. C'est embêtant. Ah, ça bouge de l'autre côté, putain. D'accord. Merde. Le petit misclic. Hop là. Vas-y, descends, Femton. La musicalité est assez sympa, je trouve, hein. L'ambiance fantomatique est bien rendue. Ok, tu veux venir ici? Tu peux pas venir ici, très bien. Donc tu vas rester là du coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un qui joue du piano. Une énorme roue ici. Donc là, faut qu'on la remonte un petit peu celle-là. Ah non, va falloir faire une ombre, ok. Pas de soucis, pas de soucis, je fais une ombre. Voilà. On grimpe. C'est une surface solide ou pas? Non. Donc il faut qu'on avance un petit peu. Aïe. Ok, on est sauf pour l'instant. Ce gameplay est vraiment sympa, j'aime vraiment beaucoup. Zut, ça ne m'aide pas ça, c'est où qu'il faut aller? Ah, il faut qu'il aille tout là-bas! Ah ouais, ok. Bon bah... Rollback? Rollback, Femton? Il faut qu'on t'emmène là-haut. Du coup, il faut qu'on prenne ça par exemple. Et que tu sautes quand tu auras pas les petites dents. Hop là. Ah non!
T'es sérieux? Ça, c'est pas possible, ça, Femton, ça. Ça n'existe pas, ça. Bon, parfait. Hop. Hop. On est reparti. Ok. Alors, si on prend ça, il nous balance en bas. Ok, visiblement, on peut descendre. Il n'y a pas de risque outre mesure. Par contre, là, lui, clairement, il a des risques. Ah, d'accord. Carrément. Donc là, Femton est coincé là. Ok. Par contre. Ouais, je peux pas faire le tour. L'objectif, ce serait un truc du style. Ok, là je peux éventuellement passer, arriver là. Même si ça m'arrange pas. Et Femton, tu fais quoi toi? Elle ou la clé? Allez, en plein milieu la clé, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu la clé. Donc là par contre. Voilà, clairement là. Oh! Bordel! Ah oui, c'est vraiment en plein milieu de tout ça. Ok, très bien. Donc une fois qu'on a la clé, il faut qu'on arrive à avoir le chemin vers là-bas. Doucement, doucement. Ok. Doucement, doucement. Voilà. Maintenant, il faut qu'on ouvre le chemin à Femton. Ça devrait être faisable. Allez, debout Femton. Reste pas accouché par terre comme ça. Ça, c'est une attitude comme dit Squashbell. C'est une attitude de déni de toi. Ok. Bien entendu. Je pense que du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long, il nous reste 3 niveaux avant le boss, enfin 3 niveaux dont le boss. Du coup, je pense que ça fait un bon timing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce qu'on avait pensé à passer en live le vendredi si vous voulez voir la suite. Et on se dit à très vite. Je laisse quelques secondes au chat s'il souhaite dire au revoir. Malheureusement, avec ma connexion, il y a quand même un sacré délai avec le chat. Même Shobiti Bay. Et bien du coup, merci à toutes et à tous.